Yep tout le monde, c'est GhostKiller01, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc j'étais accompagné de 6 personnes, de 5 personnes les gars, parce que moi j'étais la 6ème. Donc oui, on était 6, c'est pas du solo pour une fois. Donc c'était pas du support non plus, il y avait aucune veste balistique, ni drone, ni oracle, ni de soutien quoi. C'était tout le monde en spécialiste et tenter sa petite KEM. Donc je présente tout de suite le gameplay. Donc enfin je présente le gameplay sans dire ce que je vais réaliser. Je dis juste que c'est une tentative triple nuclé, triple KEM, voire même quad, avec la Honey Badger en spécialiste bien sûr. Donc ma classe c'est toujours la même. Si vous voulez la voir, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur mes classes que j'ai faite il y a à peu près peut-être, je dirais peut-être 2 mois ou 1 mois, je sais plus trop. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo qui vous montrera ma classe que j'ai faite, réaliser cette tentative en tout cas. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisserai regarder le gameplay. Et vous me direz exactement si vous me direz dans les commentaires si comment si vous aimez bien voir des vidéos comme ça, c'est-à-dire peut-être pas du solo parce que ça changera, mais c'est pas du support non plus et là pas de spawn kill comme un gros port genre dans Sovereign ou dans Strike Zone. Là c'est vraiment du ça, on alterne les spawns, on va dire, on prend les pauses quand on en a perdu une. Là peut-être un peu de spawn kill, mais moi je vais pas dans le tas et on va dire que je reste pas non plus à la même place, voilà ce que je voulais dire. Je bouge vraiment partout dans la map. Donc après c'est pas du pur rush non plus, c'est de la temporisation mais assez rapide, c'est pas une temporisation non plus assez lente. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que je vais proposer cette vidéo là à code CF, pas à code QG, parce que code QG je pense qu'ils en ont peut-être trop de triple KEM et tout, et puis faudrait faire réaliser un commentary mais vraiment parfait. Et puis là j'ai pas de sujet, enfin si j'ai un sujet les gars, mais ce sera, je pense pas que ce soit un sujet qui intéresse Code QG ou un truc comme ça, surtout qu'en ce moment il y a que des vidéos limite d'avancée de Warfare ou un truc comme ça. Donc Call of Duty Ghost est vraiment délaissé par la communauté et tout. Donc Code QG, voire même la Noyurage, ma team, je sais même pas s'ils vont m'upload ce gameplay là. Même c'est vraiment un putain de gameplay, enfin excusez-moi pour le gros mot, c'est vraiment un super gameplay, surtout que les KEM vont s'enchaîner vraiment assez vite. Donc voilà. Donc voilà, le sujet que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est les performances sur Call of Duty en gros. Je voulais vous expliquer à peu près quels sont les types de performances qu'on peut réaliser et mettre sur YouTube ou en tout cas pendant une partie. Parce qu'en fait c'est vrai que moi dans ma chaîne je fais beaucoup de performances, mais je vous ai jamais expliqué à peu près toutes les perfs possibles que je pouvais réaliser. Donc on va commencer en parlant d'une KEM. Si on part d'une KEM, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une KEM, c'est pas vraiment une performance. Après la double KEM, donc la double KEM après elle peut se faire solo ou en support, ou après support ou en, comment ça s'appelle, pas vraiment un support, on peut faire aussi à 6 mais sans blocage de spawn, voilà, parce que la support en blocage de spawn et la support sans blocage de spawn aussi. Donc là plusieurs trucs différents, plusieurs catégories différentes qu'il faut pas négliger, qu'il faut bien différencier. Donc le solo, je vous explique parce que là beaucoup de personnes qui m'ont demandé ah mais oui mais tu es avec deux personnes et tout, ça compte pas comme du solo. Le mec qui dit qu'il est tout seul alors qu'il a deux personnes dans son groupe. Non les gars, dans le Call of Duty, dans les performances Call of Duty, c'est pas la même définition qu'en réalité. Même si ça peut vous faire penser que seul, solo, voilà. Non, en fait dans le solo dans Call of Duty, on peut être accompagné en fait de deux personnes tant que ces deux personnes elles ne jouent pas en support, c'est-à-dire en soutien. En gros, si joue veste, drone et tout, ce n'est pas du solo. Mais si ces deux personnes jouent tranquillement en spécialiste et tentent comme une KEM comme vous, je sais pas, ce sera pas du support. Même si on bloque les spawns à 3, même si c'est un peu plus dur et qu'on arrive à bloquer les spawns à 3, c'est quand même du solo. Donc voilà. Donc c'est sûr, après, la plus de classe de faire solo, je veux dire tout seul, que faire solo avec deux personnes avec soi. Mais ça compte quand même, faut savoir que ça compte quand même pour du solo. Donc après je veux vous parler de, on va dire, du soutien. On peut faire par exemple, imaginez que si je fais une double KM en soutien, ça faudra bien mettre dans le titre que c'est en soutien, genre les gens ils jouent peu importe le nombre, tant que vous bloquez pas les spawns,
vous pourrez appeler que soutien. Par exemple, WKM soutien. C'est-à-dire, c'est les gens qui jouent drone, veste et tout. Voilà, vous avez compris, de toute façon, le mot. Puis après, bah, il y a aussi en support. Ça, support, c'est soutien plus blocage de spawn. Et ça réapparaît toujours au même endroit. Et vous bloquez les spawns, vous faites votre série. Et les autres vous couvrent derrière vous. Donc voilà, donc faut bien différencier déjà ces catégories là. Donc après en performance, donc si on parle de la KEM, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on peut partir de la simple KEM avec par exemple, je dirais une arme spéciale ou un truc comme ça. Si vous faites, parce que une KEM tout seul c'est pas vraiment une perf. Hein. Soit vous l'avez fait avec par exemple KEM aux assistances, ça a pas été fait encore sur Call of Duty Ghost je crois, ou c'était fait par Lin75 je crois, la première sur MW3, après je sais plus trop sur BO2. Donc voilà, je ça explique parenthèse, un truc comme ça. Donc après par exemple si vous faites une KM au couteau ou au pistolet, ça peut être une performance. Donc voilà, donc pour présenter une simple KM, mais assez spécial. Donc après on peut faire aussi une double KM comme je disais, donc après c'est n'importe quelle perf, enfin n'importe quelle arme, n'importe quelle, ça peut être double KM au couteau, ça sera un peu chaud quand même. Donc voilà, après bah, on peut aller jusqu'à jusqu'à qu'on peut, je pense que le maximum qu'on peut aller c'est en support, et je pense que le record en ce moment c'est 7 je crois, mais d'un joueur hein, je parle bien, parce que après tu peux avoir, si vous dites par exemple 5 KEM et que vous en avez fait qu'une, ça s'appelle en fait 5 KEM en équipe, ça, on parlera pas de 5 KEM dans le titre, on pourra bien préciser. Parce qu'il y en a, ils mettent vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il y a les défis tout court. Par exemple, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre une KEM. Bah si, tiens, attends, avant que je parle de ça, des défis, j'ai oublié un truc pour les KEM. C'est qu'on peut faire aussi du Gunstreak, des JS. Pour des fois, vous verrez dans les titres de vidéos, c'est JS. Donc c'est Gunstreak, en fait, c'est le diminutif. Donc en gros, les Gunstreak, c'est quoi? C'est les séries d'élimination, en gros. En non-létal, ça dépend. Ou ça peut être létal. En gros, par exemple, si vous faites du non létal et que vous faites, par exemple, vous dites que vous avez fait 80 gunstreaks, ça veut dire que vous avez fait 80 kills d'affilée sans faire kill en assaut ou avec d'autres trucs que à l'arme. Donc, comme si vous avez débloqué votre KEM et vous avez continué votre série. Donc voilà. Donc il y a aussi, par exemple, les gunstreaks en assaut. Par exemple, mais c'est moins, hein, c'est plus facile, on va dire. Donc ça, c'est comme vous avez droit à tout, en gros, à tous les kills strict et tout. Donc voilà, donc là le temps de la vidéo passe très 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 vite, donc je vais quand même accélérer un peu. Donc après le Gunstreak, je vous parlais de petits défis, par exemple, on va revenir aussi à la KM. Par exemple KM en R&D, si vous faites par exemple un perfect en jeu d'armes ou un truc comme ça, ça ce sont aussi des perfs. Ou par exemple plus de 100 kills mais vous n'avez pas fait de KM, ça aussi ça, ce sont des perfs, ce sont d'autres défis on va dire. Donc après bah là plus de 100, plus de 150, on peut même mettre plus de 110, 120 et tout, on peut bien préciser ça. Enfin, après on mettra peut-être pas plus de 175, ce serait trop précis. Donc voilà. Donc pour ce qui est des plus de 100 kills, après en défi par exemple si vous faites gagner une partie par exemple de MME au couteau, sans faire de par exemple de kill, enfin sans faire de Moab ou de je sais pas moi. De KEM ou je sais pas, si vous gagnez la partie au couteau, bah ce serait aussi une performance. Donc il y a vraiment plein de sortes de performances qui existent sur les Call of Duty. Excusez-moi, je tousse. Sur les Call of Duty. Donc vous pouvez faire aussi, par exemple, je vais vous donner plein, de toute façon dans mon commentaire, je vais faire ça, je vais vous donner plein de sortes de performances à réaliser qui pourront peut-être vous donner envie. On a plein, toutes sortes de défis qui peut même intéresser des personnes qui ont du mal à garder un ratio positif ou je sais pas quoi, qui peut vraiment être réalisé et que n'a pas besoin d'être super bon non plus. Après là, des fois faut avoir la chance ou un truc comme ça, mais voilà. Donc après vous pouvez faire par exemple en perf, vous pouvez faire comment dire, des perfects par exemple, si vous faites je parle de la R&D hein. Si vous pouvez faire des perfects par exemple en une manche, vous pouvez faire tous les kills. Et ben ça sera peut-être une petite performance, ce sera pas vraiment non plus la performance, mais ce sera une petite perf. Pour les gens qui ont du mal à faire des perfs, ça pourra compter comme une perf. Donc voilà. Après, parlons par exemple des défis avec les armes. On peut faire par exemple KEM avec toutes les armes, ça peut être une performance ça. KEM dans toutes les maps, ça peut être aussi une performance. Après, moi j'avais commencé par exemple sur ma chaîne une série, plus de 100 kills dans toutes les maps. Ça c'est un peu plus dur.
Ça, c'est pour, par exemple, si vous tombez dans Ghost, si je vous parle de Ghost et que vous avez, par exemple, Chasm, même si j'ai essayé, j'ai fait 87 kills, je crois, j'ai fail parce que ça avait eu un rage kit. Je peux vous dire que j'ai galéré. Hein. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre comme défi? Après, ah oui, avant que je vous trouve peut-être d'autres défis, je voulais vous dire aussi que si vous en avez aussi, que vous avez des questions, vous pouvez me demander, par exemple, dans les commentaires, si ce que vous pensez est vraiment un défi ou enfin une performance. Donc vous mettez dans les commentaires est-ce que cela est une performance et je vous répondrai oui ou non si vous voulez tenter des trucs pour votre chaîne ou je sais pas quoi, pour vous personnellement. Donc voilà. Ah oui, je crois que j'ai oublié aussi de dire un gros truc qui a rien à voir avec la vidéo. Enfin si un petit peu, mais je vais aussi envoyer cette vidéo à Code CF. Ah si, en fait j'avais parlé de Code QG, mais je crois que j'ai pas dit que j'allais l'envoyer à Code CF. Donc voilà. Je dis juste ça, j'avais pas fini de dire ça, de parler de ça. Parce que je pense que Code CF c'est parfait pour être upload ou un truc comme ça. Parce que je pense que les autres chaînes en ont peut-être marre je disais. De gosses, donc voilà, je pense que Code CF c'est la seule chance que je peux upload ce gameplay là, même si en plus c'est un gros 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 gameplay, donc je pense que c'est la seule chaîne que je peux faire passer un truc comme ça, surtout que je pense que ce gameplay doit vraiment, enfin, je pense qu'il mérite vraiment de passer sur quelque chose en tout cas. Donc voilà, bon, je pense que j'ai un peu fait le tour, on va dire, de toutes les performances possibles. Ouais, je pense vraiment que j'ai fait le tour. Maintenant, je pense que je vais vous laisser sur une petite musique parce que, de toute façon, je vous ai dit, si vous avez des questions de performance, c'est pour voir si c'en est vraiment une ou pas. Vous mettez dans les commentaires, je vous redirai ça. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, vous avez pu voir que j'ai réalisé une triple KOM, mais que le reste de la partie, j'ai raté parce que j'ai vraiment voulu gagner la partie puisqu'on gagnait. Enfin, on perdait. Donc, voilà, au final, on l'a gagné. Donc, ah oui! Donc cette performance, j'avais oublié de dire que j'avais fait un 128 kills à la fin, vous allez voir, puisque je vais arrêter de commenter de toute façon à ce moment-là. Donc vous verrez, restez bien jusqu'au bout, vous verrez que j'ai fait un 128 pour 12, donc c'est aussi un plus de 100 kills, donc c'est vraiment un gros gros gameplay. D'ailleurs je remercie tous mes alliés qui jouaient soutien pour moi, enfin qui jouaient soutien pour moi, qui jouaient à la fin, qui faisaient plus trop de kills pour moi, donc c'est pas du support non. Donc merci à eux, donc je m'en souviens plus du tout des noms, je crois que j'avais dit Titounet, Youmax ou un truc comme ça, et Marocchino d'ailleurs. Donc voilà, je les remercie, vous regardez de toute façon dans les barres des feeds, vous les verrez leur nom, voilà. Donc sur ce, bah, je me remercie d'avoir regardé ma vidéo, enfin, je souhaite que vous, enfin, si vous mettez un j'aime ou vous partagez, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, bye tout le monde!